Oui, avec Lionel Messi, j'ai passé 4 belles années à Barcelone. Voilà, c'est un joueur exceptionnel, j'ai toujours dit. C'est l'un des joueurs qui m'a fait aimer le Barça avec Andrés Iniesta. Et puis, voilà, je suis très content de l'avoir eu comme coéquipier. J'ai passé 4 belles années avec lui. Et dans le vestiaire, franchement, c'est une personne très simple, très calme. Il aidait énormément les jeunes. Moi, je venais d'arriver, je me rappelle, j'étais à côté de lui dans le vestiaire. Il m'a beaucoup apporté. Et difficile de contrer Lionel Messi, mais on va tout faire pour qu'il touche le moins de ballons, etc. Parce qu'il est très, très dangereux. Je pense que tout le monde veut gagner la Coupe du Monde. Tout joueur de football veut gagner la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que Messi a eu une grande carrière et il lui manque ce trophée-là, mais nous aussi, on est là pour représenter notre pays, on est là pour rendre fière la France et nous voulons aussi gagner la Coupe du Monde. Et j'espère que ça va être un très bon match et j'espère que voilà, que l'équipe de France va remporter ce mondial. Il y a beaucoup plus de calme, un peu plus d'expérience, comme on a vécu ça aussi en 2018. Et puis voilà, on veut bien préparer cette finale, ça va être un grand jour. Et je pense que toute l'équipe est prête mentalement pour ce combat parce que ça ne va pas être facile. L'Argentine, très bonne équipe, avec un très gros collectif. Je pense qu'ils sont meilleurs qu'en 2018. Et puis voilà, on se prépare très tranquillement, sereinement et à tout donner. Hein.